à tous, c'est du chinois, continue l'aventure et part aujourd'hui à la découverte de Macao. On va essayer de visiter l'île de Taipa ainsi que la péninsule de Macao et ses énormes casinos en une seule journée. Allez, les jeux sont faits. Macao est rattaché à la Chine populaire avec le statut de région administrative spéciale. Les deux langues officielles sont donc le chinois mandarin et le portugais, comme le rappellent les plaques des rues, mais c'est le cantonais qui est le plus parlé ici. Finalement, on commence la visite par le sud de la péninsule de Macao. Ici, nous sommes dans le quartier colonial et on peut ressentir l'influence portugaise, comme par exemple avec cette église. Allez, on plonge dans le centre-ville historique et ses ruelles étroites, direction la maison du mandarin dans le quartier chinois, l'occasion d'observer la fusion entre les deux cultures. Lui était là bien avant que les Portugais débarquent, le temple de la divinité Ama est dédié à la mer et aux marins. Et aujourd'hui, on dit qu'il faut brûler une énorme spirale d'encens pour s'assurer de son succès pendant un mois. Lorsque l'on s'approche de la place Largo do Senado, la foule se fait plus dense et pour cause, juste à côté se trouve la magnifique église baroque São Domingos. Elle rivalise avec les ruines de l'église São Paulo, ravagée par un incendie en 1835. La forteresse de la ville a été créée au XVIIe siècle, une forteresse qui a encore ses nombreux canons, même si en réalité ils n'ont servi qu'une seule fois en 1622 lorsque les Hollandais ont tenté d'envahir la ville. Par exemple, on pense que les dragons ne savent se déplacer qu'en ligne droite. Donc pour les éviter, les Chinois aiment bien construire des ponts à 9 virages, comme celui-ci par exemple. La nuit, c'est l'autre facette de Macao qui se révèle, c'est-à-dire l'univers du jeu adulé des flambeurs et des Chinois en général qui sont très superstitieux et amateurs des roulettes. Ça tombe bien, 34 casinos, 3100 tables de jeu et plus de 8000 jackpots. Voilà de quoi dépasser le chiffre d'affaires de Las Vegas. Casino nous appelle. D'ailleurs, si vous ne nous revoyez pas, c'est qu'on aura gagné au jackpot.
Mais bon, on va quand même se dire à la prochaine pour une spéciale Singapour. Ça tienne. Allez, on mise tout sur le 8.